C'est une scène des plus banales dans une grande partie du monde. Mais ici, cette jeune femme à vélo, cheveux au vent, est une sorte de rebelle. Elle défie les règles. I started riding the bicycle before I took the decision of taking off the hijab and doing this transformation. Amina est saoudienne d'origine, mais elle vit en Égypte depuis près de 10 ans. Many people think that a woman on a bicycle is a sexual figure because of the pose and because of the, you know, the motion and everything. So there is many people comment with the I wish I was a chair or they comment on the body. À la fin de son adolescence, elle a pris conscience que tout ce qu'elle faisait, c'était pour plaire aux autres, en particulier à sa famille. Elle a choisi une autre voie. Amina avait fait des études en sciences, elle a opté pour la décoration intérieure. Et elle a décidé de ne plus porter le hijab. I have the feeling that I was forced and I don't want to be forced. I have been struggling because I thought if I took it off, I won't be the same person or people won't respect me the same if I took it off. À 25 ans, elle réalise aujourd'hui que son choix de changer de vie avait quelque chose à voir avec le printemps arabe et les événements historiques de la place Tahrir au Caire. I think the revolution had to break a lot of tables that were here. Many movement has aroused for ladies, for not only for human rights, it was for child rights. People started to be, I think, aware a little bit. I think revolution has something to do with this. It opened wider opportunities for change. So prospects of change, that's for sure. I trust this is no turning point. Féministe et militante de la première heure, Amal Abdel Hadi considère que le bref passage des frères musulmans au pouvoir en 2012 a aussi provoqué une prise de conscience politique chez de nombreuses femmes égyptiennes. The first parliament that came after the Muslim Brothers took over were discussing decreasing the age, minimum age for marriage. The female genital mutilation have been criminalized, so they were trying to decriminalize it. That was very revealing. The revolution for sure helped many women to take off the veil or not to wear the veil to begin with, particularly among young women. Cela peut paraître étonnant aujourd'hui, mais la grande majorité des femmes ne portaient pas le voile au siècle dernier en Égypte. Dans les années 1950, le président Nasser se disait contre cette pratique. Dans ses rassemblements électoraux, il se moquait du chef des frères musulmans qui lui demandait d'imposer le voile aux femmes en public. Yeah, I think it was 2007 or 8 when I took it off. And yeah. And my parents were very understanding. I mean, it's also, it plays a big role. Ibiza Moussen a décidé de retirer son hijab à l'âge de 26 ans, quelques années avant la révolution de 2011. Cette professeure d'université voulait surtout s'affranchir de l'image de soumission qu'elle associe au port du voile. I felt it gave me in my relations to the other sex a message of submission. I need to do something about it because I'm not submissive and I will not be submissive and maybe it has to do with the way I dress. Selon cette spécialiste du Moyen-Orient, il est rare qu'une femme soit harcelée ou agressée parce qu'elle ne porte pas le voile en Égypte, surtout pour une femme de 40 ans comme elle qui vit en ville. At my age, it would be very challenging for anyone to like approach you and say, oh, why aren't you wearing the veil? It would be like, you're getting yourself into trouble. Depuis 2014, certains droits des femmes sont reconnus dans la nouvelle constitution égyptienne. La violence conjugale est un crime, les mutilations sexuelles également. Et des quotas de représentation politique pour les femmes sont en place. I am hopeful that my daughter, who's not veiled, will see something better than what I am seeing now.
some people cut off the relationship with me because I took off the hijab, and they think that my mind has something went wrong on it because I did this. I had to struggle with this and to accept myself with it or without it. Cette jeune Égyptienne d'adoption affirme qu'elle n'aime pas la politique et que ses choix de vie sont tout à fait personnels. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'exclut pas de porter à nouveau le voile un jour si le cœur lui en dit. I think if I did this, it will be from my heart. It won't because of the society or anything. No, I don't care anymore. Like people will talk anyway, so let them talk. On estime qu'environ 30% des femmes égyptiennes ne portent pas le voile actuellement. On peut parler d'un courant certain, mais pas encore d'un phénomène social majeur.